J'entends un maître en conduisant qui dit be aware of the space. C'est un peu pour ça que je te fais cette vidéo-là, parce que là, je suis entourée d'espace. C'est magique, hein, d'être en voiture, rouler. Tu vois l'espace. Comme une sensation de liberté, tu sais. La constriction est plus là. D'ailleurs, c'est ça que je te parle, c'est quand je dis les résistances. C'est une constriction, c'est un manque d'espace. Fait que ce grand maître-là parle de se concentrer complètement sur cet espace-là. Parce que si je te dis pense au vide ou pense à rien, c'est impossible. Parce qu'on est dans un... On vit de notre jour, nos journées sont constituées de ça, de cette existence dans la matrice. Donc, c'est le jeu qu'on a décidé de vivre. Puis là, ben, la règle, c'est tu vas avoir 1000 pensées, 10 000 pensées par cliquement d'œil. Ça fait partie d'une des règles du jeu. Fait qu'évidemment que c'est difficile d'aller chercher du silence. Puis beaucoup de grands maîtres, toutes traditions confondues, vont te parler de ça, aller chercher le silence. Tu es capable de vivre le silence à tout moment. OK? Donc là, évidemment, c'est pas chose facile d'être dans le silence. Fait que redéfinissons. Pour moi, qu'est-ce que ça signifie être dans le silence? C'est justement d'être dans cet espace. Puisque je suis dans un corps puis je vis dans la troisième dimension, j'ai des notions, j'ai un enseignement, j'ai une guidance. Merci. Merci, Olivier. Puis ça m'aide. C'est des outils. Est-ce que je suis complètement 24-7 dans ce mouvement-là divin? Non, évidemment. Fait que ça me prend des petits post-its. la corde au bout du doigt, ça, ouais, fallait pas, j'oublie ça. Des reminders. Fait que plutôt que de penser au vide, je pense à l'espace. Puis ça, c'est quelque chose que souvent les gens me parlent, me posent comme question, puis ça me revient souvent, ça. C'est, je suis pas capable de faire le vide. Puis je sais pas un comment, puis ça m'énerve. Tant que ça me calme pas pantoute, ça me stresse à l'os. C'est intéressant. Fait, qu'est-ce que tu fais pour arriver toi aussi à goûter à ça? Parce qu'on veut. On veut ça. Puis on l'essaye. Évidemment, je vais te donner souvent ma phrase favorite, pratique, pratique, pratique. La première fois que tu as fait un macaroni, les nouilles étaient molles. Bon, tu as peut-être brûlé ton eau. Ben, OK, parfait, je pratique. Mais ça me prend quand même de l'encouragement. Je veux voir que mes efforts portent fruit. Même si, quand je plante une graine, je ne suis pas tous les jours en train de déterrer, voir si ça grandit. Je veux quand même avoir un petit oui, j'ai senti quelque chose. Ah oui, c'est mieux qu'hier. Ah, demain, j'ai hâte. Tu comprends? Fait que l'espace, pour moi, puis tu sais, fais le test. Fais le test pour toi. Est-ce que toi, quand tu conduis, bon, je parle pas dans le trafic, là, en plein air de pointe, là, 140. Pour ceux qui ne connaissent pas l'autoroute 40, God bless you. Une autoroute achalandée. Non, mais je parle d'une route plaisante, une route de campagne, une route où même si t'es sur l'autoroute, puis t'es comme tout seul au monde, puis c'est vaste. Toi, pour toi, est-ce que ça te
est-ce que ça te permet de te déposer? Bien, ça, se déposer, être ou reposer, je me pose, puis là, je me pose encore, puis je me pose encore. À chaque jour, je me pratique à me poser, donc je me repose, je me dépose. Si toi, ça te fait ça, alors pourquoi ne pas utiliser justement ce mot-clé-là de l'espace? Je vais te parler de ton corps physique parce que ça me fascine. Le corps physique, tu sais, bon, t'as plein de structures, t'as plein d'organes, t'as plein de sortes de liquides, et il n'y a aucun espace vide. Aucun. T'as des gazillion, trizillions of cells, des cellules. Ça bouge, là, it's alive a lot, là, dans ton corps. Mais t'as aucune partie vide. Fait que même si t'as plein de stock dans ton corps, il y a des parties qui relient toutes ces particules, molécules, organes, systèmes, structures-là. Et ça, c'est un organisme en lui-même. Et c'est lui, en fait, qui a le rôle de j'allais dire de combler l'espace, mais non, parce que chaque organe, chaque structure le fait, chaque cellule le fait. Il fait le lien. Voilà. C'est lui qui fait le lien. C'est lui qui unifie tout ça. Qui permet à ton corps d'avoir la shape qu'il a. Ça, c'est dans ton corps. Et donc, puisque mon corps, microcosme, je suis le microcosme d'un macrocosme, pour mes cellules, je suis un cosmos, je suis cet espace. Bien, moi, en tant que cellule cosmique, moi aussi, je fais partie de plein de structures et donc unifiée par l'espace. Fait que cet espace-là, quand tu essaies de te déposer, utilise le mot de cet espace, l'espace en toi ou l'espace autour de toi. Puis peu importe comment tu vas commencer, tu sais, pour toi c'est plus facile de commencer à l'intérieur. D'habitude, c'est plus facile de commencer à l'extérieur parce que c'est ce que tu vois. Fait que tu regardes autour, tu regardes les structures terrestres. Fait qu'il y a des nuages, la nature, les arbres, la route, les chars, les oiseaux, les constructions. Puis là, tu regardes, tu observes, en fait, tu ressens, tu perçois l'espace qui unit tout ça. Tu peux être un bon petit bout, là. Hein? Une rail Montréal-Québec facile, là. C'est OK, Claudia, j'ai peut-être pas 2h30 à attribuer à me concentrer sur l'espace. Mais, tu sais, ça peut être divisé dans ta journée. Du moment où tu es sur la route, du moment où tu as cet espace-là pour y penser, pourquoi ne pas faire l'exercice, tu sais? Parce que de toute façon, tu vas penser à d'autres choses anyway. Fait que, c'est aussi bien de pratiquer le zen, tu sais. C'est aussi bien de pratiquer cette conscience. Puis si ça ne marche pas, ce qui m'étonnerait, bien, ça ne marche pas parce que on se bloque. On est en restriction. Fait que tu dois te donner l'espace pour accueillir l'espace. Fait que ça se fait pas en 2 minutes.
Mais si tu n'as rien que 2 minutes et que le temps n'est qu'une illusion, ces 2 minutes-là, pour toi, à ce moment-là, il va être une éternité. Si tu focuses dessus. Puis plus tu vas le pratiquer, plus ça va devenir facile, tu sais. Tu connais ta technique. OK, ben moi, j'aime ça commencer quand je suis sur la route ou tu sais, je suis sur le top d'une montagne ou je suis sur mon balcon au 3e étage. C'est le soir, c'est tranquille. C'est le matin, le soleil se lève. Tu sais, il y a plein de moments propices. Tu te promènes avec ton chien. Tu regardes ton enfant dormir. Il y a plein d'opportunités qui nous sont offertes, qui nous invitent à ça. Puis dans ce petit moment-là, c'est toujours oui. Tu dis oui à ça. Fait que même si c'est 2 minutes, c'est précieux. C'est une éternité en lui-même, ce 2 minutes-là. Fait que comme je disais, plus tu le fais, plus tu le pratiques, la minute va devenir 2 minutes, va devenir 5 minutes, va devenir 10 minutes. À un moment donné, tu vas quand même être surpris que tu vas avoir fait 15 minutes. À un moment donné, tu vas même être surpris que tu vas comme même le demander sans que ça te soutienne comme « Oh, wow, OK, là, c'est une opportunité, j'ai mon 2 minutes. OK, là, je prends mon char. » Tu vas avoir hâte de prendre ton char ou de regarder ton enfant dormir ou d'être sur ton balcon à minuit. Fait que cet espace-là, c'est un espace d'unification. Puis, quand on s'unit à, on est en yoga. C'est tellement beau.